retrouve aujourd'hui pour vous présenter la box Blissim du mois de mars. Alors ce mois-ci, elle a pour thème Coco Ricool et on retrouvera que des produits green et des produits français dans la box. Comme c'est le thème un petit peu français, ils ont fait une box qui est bleu, blanc et rouge, donc rayé comme ça, avec le petit sigle Blissim en rouge et pareil le petit B en rouge ici. Le premier produit que moi j'ai reçu, c'est un shampoing nourrissant Irrévérence de la marque Terre de Mars. Alors, il présente comme ceci. C'est un shampoing biologique innovant qui libère en douceur la chevelure et le cuir chevelu des résidus qui l'étouffent au quotidien pour les rendre plus légers. Il est composé d'aloe vera, d'extrait de café, de feuilles de romarin et de protéines d'amande pour un concentré de vitalité. Et c'est une formule vegan et made in France comme bah, le thème de la box. On a reçu un format en 50 ml et le format vente est un format de 150 ml au prix de 19€ ou 16,15€ prix abonné. Donc je vais rappeler du coup pour les personnes qui n'ont pas regardé mes autres vidéos. En gros, le prix abonné, c'est le prix qu'on paye quand on est abonné à la box. Donc quand on est abonné aux box, on a une réduction permanente le temps de notre abonnement sur le shop en fait du site Blissim. Donc tous les produits, on a une petite réduction permanente dessus. Donc le prix abonné correspond au prix que vous payez si vous êtes abonné à la box. Je l'ai essayé. Moi, j'ai eu un petit peu peur au début parce que je me dis un shampoing nourrissant alors que j'ai les cheveux gras qui hydratent, etc. J'avais un petit peu peur que ça aille pas du tout. Au final, ça va parce que du coup, l'ingrédient qui hydrate en fait dans ce shampoing c'est l'aloe vera et au final ça a pas graissé mes cheveux. Alors par contre je l'aime bien mais c'est pas le meilleur des shampoings que j'ai testé. J'ai eu un peu de mal à le faire mousser alors qu'ils disent dans le petit livret qu'il en faut vraiment très peu pour faire mousser. Et au final quand j'ai lavé mes cheveux j'ai eu vraiment du mal à le faire mousser donc j'en ai remis quand même pas mal. Il en a fallu quand même pas mal pour bien nettoyer mes cheveux, mais j'ai pas eu les cheveux plus gras que ça et c'est vrai que mes cheveux étaient quand même assez hydratés et doux après. Le deuxième produit que j'ai reçu, pareil, quand je l'ai reçu je me suis dit merde, je vais en faire quoi? C'est un lait crème sensitive embryolise. Alors attendez, je vous le mets. Ouais, c'est le côté où c'est écrit en français. Alors, hop. Donc, qui est un soin hydratant nutritif multifonction. Alors au début quand j'ai reçu ça je me suis dit je vais en faire quoi, sachant que moi j'ai déjà une crème hydratante que j'adore et j'avais pas du tout envie de changer. C'est un des produits mythiques de la marque et c'est une formule hypoallergénique, donc idéale pour les peaux sensibles. On peut l'utiliser, toute la famille peut l'utiliser parce que c'est multifonction. Il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle et en fait en lisant le petit carnet, enfin le petit livret, du coup je me suis rendu compte que je pourrais quand même l'utiliser puisqu'on peut l'utiliser en crème de jour ou de nuit, en base de maquillage pour favoriser la tenue du maquillage, en démaquillant pour retirer le maquillage et les impuretés, ou alors en couche épaisse qu'on laisse poser 15 minutes. Donc moi forcément comme j'ai la peau sèche, je l'ai utilisé en masque où j'ai laissé poser 15 minutes, donc je l'ai fait le soir, après j'ai mis mes soins habituels et j'avais vraiment la peau hyper douce, hyper hydratée et le lendemain pareil. Donc je vais continuer à l'utiliser en masque et pas du tout en crème hydratante puisque j'ai déjà ma crème et que ça ne me servira pas. On a reçu un format 15 ml et le format vente est un format de 100 ml au prix de 19,90€ ou 16,91€ pour le prix abonné. Ensuite le troisième produit, c'est un produit qu'on a pu choisir. On avait le choix entre deux nettoyants visage solides. Alors il y en avait un, c'était la marque Respire mais c'était un soin hydratant, et sinon c'était la marque Savon Stories et c'est la mousse nettoyante exfoliante Coco Crème, donc qui se présente dans un petit emballage comme celui-là. Et je vais vous montrer le savon. Alors le savon, bon je l'ai déjà utilisé du coup pour tester donc on le voit, mais sinon il est comme ça et il y a des petits grains en fait dedans et ça sent vraiment super bon. Quand on le fait mousser ça fait une mousse crémeuse qui libère un délicieux parfum frais de verveine, donc ça le parfum qu'on sent le plus. Ces actifs clés, de l'huile de coco bio pour une mousse intense, des graines d'argan bio exfoliantes et de l'huile essentielle de verveine bio pour un effet fraîche, so fraîche, énergisant. Donc je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Il faut savoir que moi j'utilise d'habitude le savon Peanut Secret au lait de chèvre. D'ailleurs j'ai fait une vidéo que j'ai postée, je pense que cette vidéo sortira très peu de temps après la vidéo sur le savon Peanut Secret, donc je vous invite à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Comme c'est une mousse nettoyante avec des graines exfoliantes, quand je veux faire un truc un peu plus exfoliant j'utilise le savon là, mais vraiment il est super, la mousse elle est hyper onctueuse, hyper douce, ça laisse pas un fini gras mais ça laisse la peau quand même super hydratée comme il y a de l'huile de coco dedans. Alors ma caméra l'a coupé du coup je sais plus trop où j'en étais, donc je vais reprendre là où je pense que ça a coupé. Alors on a reçu du coup un format vente de 50 grammes et il est au prix de 10,50€ ou 8,93€ pour le prix abonné. Le quatrième produit que j'ai reçu, c'est un sérum botanique purifiant anti-imperfection Pure Paradisi de chez Sève. Alors, il se présente comme ceci.
C'est un sérum qui est formulé à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Il régule la sécrétion de sébum, il désincruste les pores et rétexturise la peau. Je l'ai testé depuis que je l'ai reçu, donc ça va faire déjà quasiment une semaine et demie que je l'ai eu, parce que j'ai eu la box très très tôt. Et il est vraiment super bien. Donc à voir sur la durée, mais il est quand même pas mal. Après, il est pas du tout hydratant, donc il faut quand même bien hydrater après. On a reçu une miniature de 10 ml et le format vente est un format de 30 ml au prix de 30€ ou 25,50€ prix abonné. Le dernier produit que tout le monde a reçu dans sa box, c'est un mascara naturel, c'est le mascara naturel booster de cils de chez Pompon. Alors c'est une marque française toujours. Donc c'est un petit étui jaune un peu pastel. La brosse, elle est comme ceci. Et c'est le mascara que je porte là en ce moment. Alors j'ai un œil bien fait et j'ai toujours un œil où je me chie complètement. Et celui-là, je crois que oui c'est celui-là, où je me suis chiée complètement. Au final je le trouve super bien parce qu'il sépare vraiment les cils, il fait vraiment du cil à cil, il met vraiment du mascara. Après c'est assez léger, c'est pas quelque... enfin sur moi c'est pas quelque chose qui aura un rendu qui fera des vraiment très grands cils, vraiment un effet fossile, mon chat qui fait ses griffes. Pompon vous présente le premier mascara naturel qui sublime les cils instantanément tout en en prenant bien soin. Sa formule unique, sans compromis, clean, naturel, vegan, et ses actifs fortifiants et boosters testés cliniquement sont le plus du coup du produit. Le résultat, des cils plus longs, forts et volumineux. Alors je pense qu'au fur et à mesure où on va l'utiliser, comme il y a du sang dedans, on verra les cils un petit peu devenir peut-être un peu plus longs, forts, etc. Donc ça c'était le dernier produit, donc c'est un format vente de 7 ml et il coûte 29€ ou 24,65€ pour le prix abonné. Pour ce mois-ci, voilà tous les produits que j'ai reçus. Je vais vous faire un petit rappel du coup du principe de la box pour les gens qui ne connaissent pas. Donc c'est une box qu'on reçoit tous les mois avec 5 produits et souvent, presque chaque mois, on peut choisir un des produits. Donc soit c'est entre plusieurs gammes de produits, donc par exemple entre plusieurs sérums, entre plusieurs nettoyants, on a eu des palettes de maquillage, etc. Ou alors c'est des couleurs par exemple de la box ou des couleurs de rouge à lèvres, des choses comme ça. La box est au prix de 13,90€ par mois, livraison comprise. Si vous voulez vous inscrire, je vous mettrai en barre d'infos mon lien de parrainage qui vous donnera droit à 10€ sur le shop, donc un crédit d'euros qui correspond à 100 points, parce que avec chaque achat et chaque box on gagne des points en fait sur notre compte, et ensuite on peut utiliser ces points là pour acheter des produits. Donc si vous vous abonnez avec mon lien de parrainage, vous aurez le droit à 100 points. Donc je mettrai en barre d'infos. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette box. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et si vous êtes abonné à me dire ce que vous avez reçu, ce que vous avez pensé de la box. Pareil, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.